que vous voulez. Obtenir un rendez-vous avec un agent astral de votre vertu n'est généralement pas aussi facile. Excusez-moi, Dominique, docteur. Flora, attends. Quoi? Tu reviens à quelle heure ce soir? Ah non, mais je reste dormir la soirée. Non, Flora, non. Les visites de papa à l'hôpital sont le matin maintenant. Tu te débrouilles pour rentrer. Oui, 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 je vais. Je vais. Oui, et arrête de te lever à la dernière minute comme ça à chaque fois, tu vas être en retard pour les cours. Oui, oui. Oui, oui. Et après ce soir, c'est fini comme ça les sorties pendant les examens. Avec tes notes qui chutent, j'ai pas le temps d'être derrière toi. À ce soir. Oui, monsieur. Non, non. Le diagnostic, vous disiez? Et il lui reste... 1890, ce joyau qui... Il lui reste combien de temps? J'imagine que vous aussi, vous avez déjà voulu fuir votre histoire pour en réécrire une plus belle. Nous ne sommes pas limités à notre réalité et notre vie dans ce monde physique. Flora est une voleuse astrale. Sa dernière mission a échoué et l'a laissé sans souvenir bloqué dans cet univers. Un univers que seuls certains connaissent. Ils profitent de dormir paisiblement avec leur corps physique, tandis que leur corps astral s'occupe autrement. C'est une pratique qui préoccupe de plus en plus l'État. Car les délits et les crimes y règnent. Personne ne vous voit, personne ne vous sent, mais vous êtes là. Certains ne le feront qu'une fois. D'autres ne s'arrêteront jamais. Et ceux-là, plongés dans une frénésie sans fin, se persuaderont qu'ils pourront toujours faire plus. Jusqu'au jour où ils se perdront eux-mêmes. Pour Flora, tout a commencé lors d'une soirée de printemps. Mais de confiance, c'était incroyable. Quand je me suis vue allongée sur le lit, là je me suis dit, bien joué Cilia, et maintenant tu retournes comment dans ton corps, tu vois? Et j'ai paniqué. Tu m'étonnes. En fait, à ce moment-là, tu vois, j'avais la sensation d'être aspirée dedans, comme un aspirateur le ferait, tu vois. Et j'ai ouvert les yeux. Ça me semble quand même assez dangereux, ton truc. Comment tu fais si tu peux pas ou si tu sais pas comment retourner dans ton corps? T'inquiète. Tant que ton esprit fonctionne, aucun risque de perdre le contrôle. Bah alors, Mindy, t'as trop bu? Non, moi je tiens à vous ramener chez vous en un seul morceau.
Tilia me parlait de son truc là, de voyage étoile. J'ai le du voyage étoile. Non mais c'est pas un circuit Mario Kart, non, hein, t'as voyage pas... astral, sérieux encore. Ça fait 3 jours que t'en parles, H24, là, j'ai l'impression d'être avec un gourou. C'est pour ça que je suis un peu victime. Oui, et ben aucune chance que je tombe dans ton truc de secte. C'est pas une secte. Bah, je trouve vos concepts complètement illogiques et irrationnels en fait. Waouh, mais il y a des choses qui s'expliquent pas, hein. Faut garder l'esprit ouvert de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui, bah, on stoppe la propagande et tu viens danser. C'est quand que tu te repostes en fait. Oh les filles, encore 30 minutes, après je me barre sans vous. Enfin, nous nous rencontrons. Vous savez, obtenir un rendez-vous avec un agent astral de votre envergure n'est généralement pas aussi facile. Enfin, lorsqu'on sait ce que la personne en face désire, on obtient plus facilement ce que l'on veut, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que je désire, au juste ? La seule chose que vous désirez, c'est de savoir ce que moi je désire. Sinon, vous ne seriez jamais venu ce soir. Et je pense que la haine qui vous consume de l'intérieur y contribue grandement. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pensez être maître de vous-même dans l'univers astral ? Les gens comme vous prennent confiance absolue une fois plongé dedans. Vous vous imaginez comme des dieux dans un monde parallèle, sans contraintes ni règles. Mais ce terrain de jeu est tout le contraire d'un paradis. Et vous vous en rendez compte, bien souvent trop tard. Pour ne pas aller contre ma volonté. Comme vous l'avez vu, vous n'êtes pas le seul à pouvoir influer sur des entités physiques sous forme astrale. Ne sous-estimez pas mes capacités, ni celles de mes employés. Entendu. Bien. Retrouvez-moi Flora et amenez-la moi. Ah, ça y est, t'as décidé de te réorienter du coup ? On verra. Tu sais, il y a mon roman que j'aimerais bien tenter de faire éditer. Ah oui, mais tu vas arrêter tes études pour ça ? Ah non. Non, mais j'aimerais bien me concentrer un petit peu plus dessus, quoi. Ah oui, tu peux quand même continuer ton roman dans un truc sérieux à côté. Bon, et toi, tes concours ? J'ai juste les oraux à passer, mais normalement, c'est dans la... poche. Désolée. Non mais, tu comprends, ça la saoule de parler de ça, elle peut rentrer où elle veut. Elle, t'es jalouse ? C'est ton cheesecake, ouais. Non mais c'est vrai, avec toutes tes facilités, tu veux faire quoi, toi ? T'en parles jamais. Bah, parce que je sais pas. T'as pas de fantasme, ça ? Comme même ? Bah non, pas de fantasme. Ouais, enfin, à part le mec avec nous en amphi... Mais t'arrêtes ! Ouais, d'accord. Vous êtes des gamines. Ouais, bon. Et du coup ? Ouais, du coup, tu veux faire quoi ? Bah, j'y ai pas encore réfléchi, je sais pas. Après, tout ce que je veux pour plus tard, c'est avoir une sensation de liberté et être indépendante. C'est-à-dire ? Travailler pour moi, avoir de compte à rendre à personne. Et avoir de l'argent, et blablabla, bla bla, et après ça dit ne pas avoir de fantasme, hein, attention. Oui, sinon la série, là, vous avez vu la dernière fois chez toi ? C'était pas mal, hein. On a vu les 3 premiers épisodes. Bon. Et sinon, elle devient quoi ? Elle a pris une année sabbatique. Ah, mais c'est pour ça que je la vois plus, celle-là ? Elle est partie en voyage ? Ouais, en quelque sorte. Elle répond pas. Bizarre. T'inquiète pas, hein. Ça a beau être ta meilleure amie, les appels à l'étranger, c'est pas donné, tu sais. Et que vous a demandé votre employeuse astrale ? De mettre la voleuse hors d'état de nuire.
Elle compromettait les activités de son organisme. C'est un milieu très compétitif. Ne parlez pas de compétition! Vous êtes des criminels! Dans le véritable crime, c'est votre monde, que des personnes comme elle et moi devions fuir, car elle n'a rien à nous offrir. Comprenez que l'on ressente le besoin de se plonger dans un univers parallèle, plutôt que de rester dans votre réalité.